Comment vous allez les gars? Tout se passe bien? Donc voilà, du coup l'équipe de la semaine en complet. C'est pas ouf hein. Y a pas grand chose, franchement y'a vraiment rien qui m'intéresse pour le coup. Merde. Y'a rien qui m'intéresse, même en rouge en vrai. Y'a vraiment rien qui me tente. Hein. Le top 100, le pack top 100, on va tranquillement le garder. Hein. On n'a pas trop le choix vu l'équipe. Mais même en rouge, y'a rien qui m'intéresse. Y'a le Marquinhos qui peut être pas mal pour les Ligue 1, mais vu qu'il y a une version headliner, bah, elle est plus haute. Du coup, bah, même si je l'ai en rouge, elle ne me servira pas. Il y a le seul qui pourrait potentiellement m'intéresser, c'est peut-être Milinkovic-Savic. J'avais eu la version précédente déjà, on avait fait la fut champ avec, et j'avais trouvé très fort. On avait fait un bon fut champ avec, et après on a Robertson aussi qui est pas dégueu, puis après le but ça va être d'avoir le plus de grosses notes hein, tranquillement. Bon voilà, ouais, j'ai plus trop d'équipes là, il y a Lilligan dans deux week-ends à peu près. Enfin ouais, le 21 avril quoi, un peu plus de 15 jours. Il y aura les Ligue 1, du coup, je vais commencer bientôt à faire mon équipe Ligue 1. Je la ferai semaine prochaine, je commencerai à m'entraîner un petit peu là, d'ici la semaine prochaine. Dans tous les cas, on fait pas fut champion ce week-end, comme je vous avais dit. Les fut champions avec les Pro Points, c'est terminé depuis le dernier week-end. Du coup, bah là, maintenant, à partir de maintenant, on fera plus tous les fut champs, on fera que quand j'en ai envie. Et puis là, bah j'en ai pas du tout envie, donc je vais pas le faire ce week-end. Du coup, ça tombe bien qu'il y ait une équipe la semaine de merde, comme ça le pack top 100, on l'aura pour la semaine prochaine s'il y a une bonne équipe. Du coup, voilà, j'ai tout vendu, on va bientôt faire les Ligue 1, enfin l'équipe Ligue 1. Je la ferai du coup, bah, comme j'ai dit, la semaine prochaine pour commencer à m'entraîner, je la ferai en fin de semaine prochaine. On fera sûrement le fut champ de la semaine d'après avec l'équipe Ligue 1. Puis après, je commencerai à m'entraîner un peu contre les autres joueurs co-présents là-bas. Et voilà. Allez, récupérons les récompenses fut champ. 64e du coup, 28-2. Après une petite erreur professionnelle, on va dire la semaine dernière, on a fini aux portes du top 100, on a fait un peu de la merde, on a craqué. Même si ce week-end, en vrai, ce week-end ressemblait pas mal à l'ancien. On a craqué aussi, on s'est pris des belles petites douilles, mais on a quand même eu le top 100, c'est l'essentiel. Donc voilà, on retrouve le top 100 après une semaine 100. Et du coup, on va pouvoir récupérer nos petites récompenses, 3 packs à 100k et 4 euros. Donc voilà. C'est pas mal. Bon allez, on espère Milinkovic-Savic, on espère Robertson. Et c'est à peu près tout. Hein. Et après, si possible, le plus de grosses notes possible pour remettre dans un SBC dès qu'un Gullit ou quoi sortira. Voilà. Allez, on va commencer par le deuxième. Ouh, Vela 86, ça va. Un 86, c'est pas mal. Pour un SBC, en plus, il a des bonnes stats, mais bon, on l'utilisera pas. En deuxième, on va avoir Simone Verdi. Il a des bonnes stats, hein. Ouais, puis je sais qu'il a. Je le conseillais pas mal au début du jeu en régular. Il avait des bonnes stats, je le trouvais fort. Il est agile, il a les deux pieds, super important. Il a des bonnes stats, ouais. Bon, ce finition, ouais, c'est limite 73, quoi. C'est un petit peu le défaut. On va le prendre, meilleure note en plus. On va le prendre. Il était dans la file qu'il a scène. Ah ouais. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait peur cette semaine. Oh, on va quand même prendre Denis. Allez, Denis. Oh là là. Oh si Poulsen 87, ça va. Ça va, putain, j'ai eu peur. Si on n'avait pas le 87, ça faisait bien chier. Poulsen, prendre ses stats, c'est dommage, il n'est pas les 4 étoiles, mais regardez les stats qu'il a, c'est n'importe quoi. 1m93. Alors pour ceux qui aiment pas trop ce qu'il est et qui aiment les attaquants plutôt grands physiques, c'est le joueur parfait. 89 en finition, il est rapide, il a 80. Ah il a que 84 en force. 88 en physique, je pensais qu'il avait peut-être 90 en force. Bon c'est déjà énorme hein, 84 en force, mais vu sa carte, je pensais qu'il avait un peu plus. Il a quand même une belle stat d'agilité, mais bon, ça j'y crois pas trop. Quand il les booste, souvent il booste pas mal l'agilité, mais in-game tu ressens qu'ils sont pas du tout agiles, donc j'y crois pas trop. Mais il a des stats vraiment, vraiment pas mal. Et 87, du coup, sera notre meilleur joueur cette semaine. Donc on prend. Après, on pouvait pas s'attendre à grand chose cette semaine en vrai. J'aurais préféré peut-être avoir Savic ou Robertson, comme j'ai dit, mais c'est pas très grave. Allez, on va aller ouvrir les packs à 100k. On en a 3. Et ça, on gardera tranquillement pour la semaine prochaine en espérant avoir une équipe un peu plus intéressante. Qualifie-toi à Futchamp. Mais non, je fais pas Futchamp. Je vais pas me qualifier ce week-end. Ça sert à rien de user 2000 points. On va garder nos 2000 points pour la semaine prochaine. Allez. On a une anime dans le premier. Ce sera un juste un régulier. Allemagne. Des Kimmich. Kimmich, première anime dans le premier pack. C'est déjà pas mal. C'est pas la meilleure anime. Là, je pense qu'en vrai, cette semaine, il n'y a rien là. On est d'accord, il n'y a plus les Fut Birthday. Il n'y a plus grand-chose. À part avoir des gros régulars. Et vu que l'équipe de la semaine est dégueu, il n'y a même pas un gros boost à avoir. Ouais, c'est compliqué en vrai les packs cette semaine. Ouais, après, ouais, c'est vrai que après, même quand la Timozovic est intéressante, on pack de la merde. Mais bon, ça va peut-être finir par tourner. Allez, deuxième, encore une anime. Ah, une icône.
C'est pas une icône, ce sera un régular. Un plus gros petit biche, encore. Oh, Ozil. Ah, Royce, c'est mieux qu'Ozil, je pense, en termes de prix. C'est mieux qu'Ozil en termes de prix, donc c'est bien. C'est pas mal, deux packs, deux animes. On prend, hein. On prend tranquillement. Il y a eu des fois où on a eu 4 packs, 0 animes, donc là, on va pas se plaindre. Bon, alors, la casette avec Royce, ça vaut quoi? Ça vaut 50 000 au moins, non? 70 000, c'est pas mal du tout, ce que Royce. Bon petit pack. Bon petit pack, clairement. Allez, on ouvre le dernier pack à 100K. On s'arrêtera là-dessus. On espère une troisième anime. Non, il n'y aura pas d'anime dans le dernier. Normalement, c'est jamais 203, là. Putain. Il n'y aura pas d'anime, mais ça va. En vrai, sur les packs à 100K, c'est pas si mal. C'est Whistle? Ouais. 85, ça va. C'est pas si mal sur les packs à 100K. Après, on s'attendait vraiment pas à grand-chose de cette semaine. Donc, il n'y a même pas à être déçu, là, pour le coup. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Et c'est très bien comme ça. I've been going through some shit that's getting real now.